Bonjour à tous, bon dimanche de Gotette et réjouissez-vous. Alors, en ce troisième dimanche de l'Avent, on va écouter le commentaire de l'Évangile très frais du père Gaspard Craplet. Aujourd'hui, nous fêtons le troisième dimanche de l'Avent, qui est traditionnellement le dimanche de la joie, c'est-à-dire qu'on passe du violet au rose parce qu'il y a la joie du jaune qui commence à entrer, parce que le Christ, on sait qu'il va venir incessamment sous peu à Noël. C'est l'éternel qui entre dans le temps. Et ça, pour les chrétiens, c'est une source de joie profonde. Les Grecs, les Romains avaient une conception du temps qui était cyclique. Toujours la même chose, tout qui revient, rien de nouveau sous le soleil, tristesse. Et voilà que le Christ apporte toute nouveauté. Au lieu d'une conception cyclique du temps, maintenant on a une conception linéaire. Le Christ est entré, tout part avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, en direction de sa venue glorieuse. Et c'est pour ça que le fait que l'Éternel entre dans le temps, cela nous remplit de joie. Et d'ailleurs, Marie, dès qu'on lui annonce qu'elle va être la mère du Sauveur, elle est pleine de joie. Et elle dit, « Eh bien, mon âme exalte le Seigneur. » Elle se réjouit. De même, dès qu'elle a, elle a Jésus en elle, elle va à la visitation rencontrer Jean-Baptiste. Mon âme exalte le Seigneur. Dès que les anges sont, annoncent aux bergers que Jésus est né, ils disent « Je vous annonce une grande joie ». Et Jésus lui-même dira « Ma joie, je vous la donne, nul ne pourra vous la ravir. » Et donc le chrétien, c'est celui qui est en permanence dans la joie. Il doit avoir une tête de ressuscité. Le chrétien, il répand cette joie qu'il reçoit de Dieu. Et il console les autres, il les remet dans la joie. Alors, un petit conseil, pendant cette dernière période avant Noël, vraiment, soyons dans la joie, soyons souriants, disons des choses positives, réjouissons-nous. Waouh, c'était frais, n'est-ce pas? J'en ai des frissons. Alors, demain, on se retrouve avec Victor, le cateau de service, qui nous parlera de Dieu, la troisième lettre, E, pour le mot espérance. Donc, très bon dimanche à tous. Profitez bien, réjouissez-vous, c'est le message du jour. N'oubliez pas, communiquez cette joie autour de vous et soyez heureux, soyez bons, soyez vivants. C'est ce qu'on nous demande en ce jour, il faut se réjouir. Car dans une semaine, c'est le quatrième dimanche de l'Avent, et on pourra encore plus se réjouir puisque Noël approche. Alors très bonne journée à tous. Retrouvez ce parcours sur nos chaînes YouTube Catoglade, après les lectures du jour, sur Catoglade Prière en individuel, sur notre newsletter, ainsi que sur notre compte Instagram. Les liens sont en description. Recevez la parole de Dieu chaque jour sur Catoglade.